D'accord. Voilà, vous avez trouvé qui est la capitale. Alors, Banasoubek, Élysée, Oui. non. Avant. Bien que tous parlent du créateur, chacun a son style. Chacun a son style. Donc, la religion chrétienne est un style. Bon, je ne dirais pas que c'est un style, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux mettre style entre parenthèses. Mais je voudrais dire que la religion chrétienne est une religion qui tire son fondement sur les enseignements de Christ Jésus. Donc, si tu prétends être une religion chrétienne, il faut que la doctrine que tu présente au peuple soit basée sur les fondements que Jésus-Christ a laissés. Or, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Or, nous parlons des commandements de Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas être chrétien et tu parles en contre des commandements. Maintenant, le sujet qui nous rassemble ici, c'est le sujet de païens. Je sais pas si mon temps, je vais chuter. Allez-y, Ok. allez-y. Alors, le problème maintenant qui est là, parce qu'on dit quel païen, qu'est-ce qu'un païen d'abord? C'est la question. Je veux dire ici que le païen, ou encore ce qu'on peut appeler le paganisme, c'est une attitude. Ce n'est pas une religion. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, il dit que ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Il dit parce que ce sont les païens. Hein? Qui courent après ces choses-là, c'est-à-dire qui se soucient du manger et du boire et du vêtir. Donc, tu comprends par là que même si tu es juif et que tu te soucies dire que demain je vais manger quoi, ou je vais boire quoi, ou qu'est-ce que je vais porter comme vêtement demain, il dit tu es un païen. Plus loin encore, il dit ne soyez pas comme les pharisiens. Oh, les pharisiens étaient comment? Qu'on appelait Judas Anassi et qu'on surnommait généralement Rabbeinu Akadosh. Gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, explication. Jésus-Christ n'est pas qu'un simple prophète. Avant Jésus-Christ, il y a eu des prophètes qui ont donné au peuple juif la loi, ainsi de suite, les ordonnances, les règles, les cérémonies culturelles pour le préparer à recevoir celui qui devait venir, non plus seulement pour eux seuls, mais pour l'humanité toute. Puisque le texte dit que Dieu a créé toutes choses par lui. Donc, il ne vient pas qu'en tant que petit prophète. Simple prophète annonciateur de je ne sais pas quoi. Il vient en tant que. Il vient pour accomplir la mission du salut, pour racheter tout ce qui a été créé par lui Il est et Dieu pour alors. lui. Il est Dieu alors. C'est Il vrai que ce n'est pas le c'est débat. pas Il le est... débat justement, c'est pour ça que je mettons d'abord ça au frais. Non, il faut dire ce que vous avez à dire. Voilà. On a déjà Donc, compris que vous voulez dire Jésus-Christ, il n'est pas messager, il voilà. n'est pas prophète. Il est Si plus que il ça, est plus que c'est-à-dire ça. Dieu. Donc si on va maintenant dans le Excusez-moi un peu, je cherche le texte. Je cherche le texte. Si on va dans le. Je crois que c'est. Le prophète peut m'aider rapidement. Là, Dieu a tant aimé le monde. Jean. Jean chapitre. 3, 16. Voilà, Jean chapitre 3, 16. Merci beaucoup. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les musulmans croient en Jésus-Christ, hein? De quelle manière? Ah, ok. De quelle manière? Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils reconnaissent en Jésus-Christ la qualité de prophète. C'est différent. Croire en Jésus-Christ, c'est autre chose. On dit bien, Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit les Juifs, ni Israël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc à ce monde qu'il a aimé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, juif, non-juif, hébreu, je ne sais pas quoi, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je m'arrête d'abord là, on va continuer ensuite.
Emma Mokta, beaucoup de choses ont été dites. Vous avez pris le temps de recenser, vous avez pris le temps de noter. Alors, le fidèle Betting. Oui, vous avez mis sur la page. Monsieur le journaliste, alhamdulillah, loin Allah encore pour la deuxième fois, mes chers frères. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas que les messieurs, monsieur Bettini, pouvaient encore revenir face à ce débat. Pour ceux qui ont suivi le débat de la semaine passée. Parce que ça fait vraiment pitié de voir les gens qui s'entêtent dans la bêtise. Qui s'entêtent dans la bêtise. Et qui font semblant de ne pas comprendre. Et Pasteur Alizé a pris la parole ici. Vous savez, le roi Salomon avait l'habitude de dire, dans Proverbe chapitre 18, verset 17, le premier qui parle pour sa cause paraît juste. Ensuite vient la partie adverse et on examine. Il dit des choses et ne se rend même pas de la gravité des choses qu'il dit. Il commence par dire, Pasteur Elise, il commence par vous dire, chers téléspectateurs, les musulmans sont programmés. Et c'est ce que Allah a toujours voulu, que les gens soient programmés. Comment? Selon, n'est-ce pas, son programme. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous agiter. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Si vous cherchez la vérité, vous avez la vérité, vous agitez pourquoi? Donc ici, Allah voudrait que les gens soient programmés comme lui il veut. Et ça, nous sommes programmés, il dit vrai. Les musulmans sont programmés comme la machine des prophètes, ils ont programmé. Et ils disent, ils sont divisés. Ils ont dit, vous avez compris, qu'ils ont des divisions d'opinion. C'est pour ça, lorsque son frère a pris la parole, il a corrigé directement. Et vous savez, quand les gens font comme ça, Jésus-Christ avait dit quoi? Marc chapitre 3, verset, n'est-ce pas, 24. Concernant les gens qui sont comme ça là, écoutez ce que Jésus-Christ avait dit. Marc chapitre 3, verset 24. Jésus dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et Jésus est vrai. Nous disons, n'est-ce pas, Jésus est vrai. Il dit, les gens qui se subdivisent entre eux, ils ne peuvent pas exister. Et c'est pour ça que tout le temps, ils sont toujours, n'est-ce pas, en train de se contredire. Allah, dans le Coran, j'ai mis l'inimitié et la haine. Coran, chapitre 5, verset 13 à 14. Entre les chrétiens, ils vont s'entretuer et se déchirer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vérité. La vérité est unique. Allah entre est unique. Les chrétiens? Entre les chrétiens. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible et dans le Coran. Non, dans le Coran et dans la Bible. Le Coran dit, puisque le Coran est venu, n'est-ce pas, après eux, le Coran est venu après eux, les trouvant les gens en train de se déchirer, s'entre-déchirer. Le Coran dit, ils vont se déchirer comme ça. L'inimitié, la haine, Allah a déjà placé dans leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils se sont détournés de la vérité salvatrice que Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait apportée. Vous comprenez un peu. Et parmi cette vérité, il y a, n'est-ce pas, la mission de l'apôtre Paul. Ici, Monsieur Betty, il s'entête dans Bétine, excusez-moi d'écorcher toujours le nom, il s'entête dans la bêtise, pourquoi? La semaine passée, on a dit ici, je répète encore, on va répéter, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a deux sortes de païens dans la Bible pour une personne qui a fait la théologie. Quel sont le premier type de païens? Avec les versets à l'appui, si tu as fait théologie, frère. Deux Rois, chapitre 17, verset 24 à 27. Après le mort du roi Salomon, 922, écoutez, 922 avant Jésus-Christ, l'Israël se divisait en deux. Le nord, capitale Samarie, fondée par Omri, un descendant de Jéroboam, 870 avant Jésus-Christ. Et le sud, fondé par le roi David, capitale Jérusalem. Ceux du nord avaient deux noms. Je répète encore comme la semaine passée. Ceux du nord avaient le nom Samaritain et ils avaient aussi le nom Israélite. Et ceux du sud avaient deux noms, Judéen ou Juif. Mais qu'est-ce qui se passait maintenant? Lorsque le roi d'Assyrie maintenant, Sargon II, dans la théologie, M. Bittin, il a déporté l'Israël du Nord. Vers les années 635, l'Israël du Nord. On dit ceci, 2 Rois chapitre 17, écoutez ce que le roi d'Assyrie avait fait. Par la suite, lorsqu'il les a déportés de leur terre, de la Samarie. Regardez, deux rois, n'est-ce pas? Excusez-moi un peu, je vais un peu ouvrir dans le téléphone parce que fouiller dans les Bibles, ça va nous prendre un peu du temps. Mes chers frères, dans deux rois, pour les gens qui ont déjà leur Bible à la maison, deux rois chapitre 17, à partir du verset 24. Deux rois chapitre 17, à partir du verset 24. On dit ceci. Le roi d'Assyrie, écoutez bien, chers téléspectateurs, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, d'Amat, de Sa, de Sepharvaïm, et les établit dans la ville
de la Samarie à la place des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il y avait combien de Samaritains maintenant? Si vous nous suivez, il y avait combien de Samaritains maintenant? Il y avait deux sortes de Samaritains. Les Samaritains qui étaient les enfants d'Israël qui vivaient le nord avant d'être déportés par le roi Sargon II. Et les Samaritains païens qui ont été venus d'ailleurs, faits venir par le roi d'Assyrie pour habiter la ville après leur déportation. Maintenant, c'était confondu. Et lorsque les enfants d'Israël sont revenus sur Sirius, dans Ésaïe 45, verset 1, ils sont revenus sur leur propre terre maintenant. Qu'est-ce qui se passait maintenant pour reconstruire le temple? Pendant qu'ils étaient en train de construire le temple, dans Esdras chapitre 2, on dit les païens qui vivaient, la Samarie étant des païens venus d'ailleurs, comme vous avez entendu ici, ils ont demandé même l'ordre d'aider les enfants d'Israël à bâtir le temple, et ils ont refusé. Donc ils ont refusé même qu'ils participent aux travaux pour construire le temple. C'est pour ça que vous arrivez dans Luc chapitre 7, lorsque on dit le centenier romain avait dit que son serviteur était malade. Et comme ce centenier, son serviteur n'était pas juif, Jésus-Christ a refusé même de l'aider. Les scribes et les pharisiens ont dit, ils nous ont aidés dans la construction du temple avant que Jésus-Christ se rendit là-bas. Donc ici, même participer à la construction du temple, ces païens-là ne pouvaient même pas le faire. Les enfants disaient, ont refusé catégoriquement. Si les juifs suivent les débats que nous sommes en train de faire présentement. Donc c'est l'apôtre de Paul maintenant qui vient et s'en va vers eux. Vous lisez même quelle Bible? Pourquoi? Parce que votre travail, c'est lire les versets bibliques. Vous ignorez complètement, n'est-ce pas, l'histoire de la rédaction de la Bible. Il y a deux sortes de païens ici. Les païens, je répète encore, qui vivaient la Samarie. Les païens qui sont venus vivre la Samarie à la place des enfants d'Israël déportés par le roi d'Assyrie. Et les païens enfants d'Israël perdus dans la diaspora, dans Deutéronome chapitre 21, verset 64. Dieu dit, Israël, je vais te répandre dans tout le monde entier. Tu vas adorer Dieu de bois et de terre que n'a connu ni toi ni tes pères. Il devait devenir quoi? Et nous avons lu dans le livre de 1 Maccabée chapitre 1 verset 41 verset 48 et 2 Maccabée chapitre 6 verset 6 jusqu'à 13. Et vous avez été témoins ici. Ceux-là maintenant les enfants d'Israël qui ont adoré les idoles. Et ceux maintenant, ceux-là qui ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Quelle était la différence entre eux? Paul est allé vers qui? C'est ça le débat. Donc je suis juste en train de mettre les bases du débat. Pas, ne portez pas les débats qui vont vous dépasser. Ils ont des débats traversés ici. On met fin au débat. On met fin au débat. N'allez pas porter la science que vous ne pouvez pas supporter. Donc Paul est venu maintenant vers qui? Ses frères israélites perdus dans la diaspora qui ont adoré les idoles ou bien les païens qui ont été habités la Samarie depuis l'ère de temps de l'Empire assyrien. Il y a l'Empire babylonien qui est venu les trouver. Il y a l'Empire, n'est-ce pas, Perse, Médo-Perse qui est venu les trouver. Il y a l'Empire grec qui est venu les trouver. Il y a l'Empire romain qui est venu les trouver. Et ça, vous ne connaissiez pas ça. Ça, c'était seulement les bases. On n'a pas encore attaqué le débat. Ça, c'est juste l'introduction. Et si à l'introduction, vous ne vous en sortez pas, déclarez forfait. Parce que ce débat-là, je ne savais même pas que M. Béthi pouvait s'entêter encore dans la bêtise. Excusez-moi du terme. Donc maintenant ici, la question qu'on vous pose, j'ai posé ça la fois passée. Paul a écrit les épîtres, non? C'est un défi. Donnez-nous une seule épître que Paul a écrit à un non-juif. C'est un défi qu'on vous lance sur le plateau depuis la semaine passée. Donnez, n'est-ce pas, une seule épître de Paul où il s'est adressé à un non-juif. Mais ils ne savent même pas que les juifs étaient dans la diaspora et ils avaient, n'est-ce pas, parfois deux noms. C'est-à-dire l'originalité et également ce qu'on appelle. Et moi, je l'ai par naissance. J'ai eu cette nationalité par naissance. Mais peut-être il est d'origine quoi. Et ils ne savent pas qu'il y a beaucoup comme allumer le débat. Voilà, je vous promets, si vous continuez à vous entêter dans ça, je vous promets une chose que vous n'avez jamais vue dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup comme ça dans la Bible. Même Corneille. Même le centenier Corneille, il a acheté la nationalité. Corneille n'était pas un non-juif, un non-israélite. Ce sont les Israéliens perdus dans la diaspora qui ont adoré les idoles. Et que Paul était chargé d'aller vers eux. Quand il voit seulement aux extrémités de la terre, directement, Jésus est venu pour l'humanité. Jésus dit, Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et le Coran, c'est chapitre 61, verset 6, où il dit, Allah, Isa, ben, Mariam, Ya, bani, Israël, Ibn, Rasoula, Ilayakum. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous, Israël. Et Allah dit, Rasoula, Ila, bani, Israël. J'ai fait de Jésus le messager aux enfants d'Israël. Coran, chapitre 3, verset 49. Et il dit dans Michée, chapitre 5, verset 1, et toi, Ephrata, tu n'es pas petit d'entre les villes de Juda. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et dans Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21, lorsque Joseph et Joseph se séparent,
séparer de sa fiancée Marie, l'ange lui apparut dans les songes et dit: ne te sépare pas de ta fiancée Marie. L'enfant qu'elle a eu vient du Saint-Esprit. Et quand cet enfant sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son et non pour ses. Mon ton son, notre, votre, leur. On ne va pas apprendre la Bible encore, la théologie, la langue française primaire. Il dit, il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit: il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher, je les ramène. En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ceux-là, c'est qui? Il dit: c'est eux. Vous avez compris la Bible? Les chrétiens n'ont rien ça. Rien, ni prophète, ni Bible, ni même la Bible ne vous appartient pas. Mais ça m'étonne que chaque samedi vous venez ici, la Bible c'est pour nous et le Coran c'est pour vous. Laissez-nous parler avec les Juifs. Laissez la discussion entre les enfants d'Abraham. Allez chercher, soit vous êtes Kamites. Hein, les Kamites d'abord vous refusent, je ne sais pas qui vous êtes. Donc vous partez ailleurs. Ou bien Zoroastrien, les Majous. Je veux savoir. Vous comprenez un peu. Imam Oktar, je veux savoir, je reste avec vous. Je veux savoir quelque chose. Jésus venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Peut-on continuer à être musulman si on ne croit pas en Jésus? Ça c'est très bien, c'est une bonne question. C'est comme on peut dire aujourd'hui, le général Olingi, il est président du Gabon. Est-ce qu'on le doit du respect ou pas? En tant que Camerounais, pays, voisin, frère, on lui doit du respect ou pas? Le président Olingi du Gabon, on lui doit du respect, mais est-ce que c'est nous le président? Ben, ça ne fait pas de nous des Gabonais. Ça ne fait pas de nous des Gabonais. Donc nous les musulmans, on croit tous les messagers qu'Allah avait envoyé, les messagers dans chaque nation. On croit à eux. Pourquoi? Parce que le même message qu'ils ont véhiculé, le même message que le messager destiné pour nous a été véhiculé. Nous on croit à eux par ricochet, mais ce ne sont pas nos messagers. Ce ne sont pas nos messagers envoyés vers nous. Le prophète c'est Muhammad. Mais ils ne connaissent pas ça. Ça a été appelé à plusieurs reprises. Ben, Monsieur Mokhtar fait montre d'une inculture criarde. Et c'est lui qui a toujours l'habitude de crier fort, plus fort que qu'il ne l'entende. En fait, Monsieur Mokhtar déjà ne sait pas faire la différence entre la citoyenneté civile de la naturalisation d'un individu sur le plan culturel et culturel. Paul, étant citoyen juif, étant citoyen romain, en plus d'être juif, n'a jamais revendiqué appartenir aux religions romaines. C'est sa citoyenneté civile. Et la citoyenneté civile lui accordait un certain nombre d'avantages et de prérogatives. C'est pour cela qu'il évoque ça devant le tribunal, estimant qu'il ne pouvait pas se faire juger. Aujourd'hui, on parle par exemple de la double nationalité française-camerounaise. Un Camerounais qui a une double nationalité peut effectivement revendiquer légitimement sa citoyenneté française lorsqu'il est face à ce qu'il estime une injustice judiciaire. Ça, c'est la civilité, la citoyenneté civile. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité naturelle et religieuse d'un juif, même s'il est hors d'Israël. Dans l'Antiquité, avant même le Christ, et même pendant la période du Christ, tout juif ou tout fils d'Israël qui habitait hors de la terre d'Israël devait se rendre au temple de Jérusalem au moins 3 fois par an pour s'acquitter de ses devoirs culturels. Et on voit cela même avec Jésus-Christ dans, je crois, Luc au chapitre 2, verset 41, où les parents de Jésus qui n'habitaient pas Jérusalem se rendaient à Jérusalem à chaque fête de Pâques. C'était une tradition que tous les juifs honoraient. Tout à l'heure, il a évoqué le texte il a évoqué quel texte là? 2 Rois 17 sur le roi, excusez-moi, je voudrais retrouver le texte. Le roi de la Syrie. Voilà. Donc c'était à quel niveau, à partir de... Voilà. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, qui ne sont pas des Israélites, de Kouta, qui ne sont pas des Israélites, d'Ava, qui ne sont pas des Israélites, de Hamat, qui ne sont pas des Séphar. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Les barbares, c'était les Germains à l'époque.
aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Juif premièrement. Pourquoi on met juif premièrement? Ah, mais après on met dit grec. Si on prend le texte de l'étude de Galates, quoi là? Galates, chapitre 2, à partir du premier verset. 14 ans après, de nouveau, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir en ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Au concile de Jérusalem, il y a un vif débat entre les peuples non-juifs qui devenaient chrétiens, qui se convertissaient au christianisme, dont les certains apôtres estimaient que pour qu'ils s'intègrent au christianisme, il fallait les circoncire selon la loi juive. Dans ce débat, Paul et Pierre défendent justement C'est dans le même texte. Paul, effectivement, défend la comment un message est adressé, selon eux, aux juifs uniquement. Nous sommes de retour sur le plateau. Alors, Imam Mokhtar, tu peux... Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme nous étions en train de répliquer, n'est-ce pas, au mensonge, n'est-ce pas, devant nous, et nous étions en train de montrer qu'il y avait beaucoup de juifs qui avaient des nationalités autres que la nationalité, n'est-ce pas, qui avaient des nationalités romaines, mais qui étaient d'origine, n'est-ce pas, qui était d'origine israélite. Et on a pris l'exemple de cette femme syro-phénicienne. Si vous voulez savoir, n'est-ce pas, les territoires de Tyr et Sidon, chers téléspectateurs, allez prenez la Bible, n'est-ce pas, 8 secondes. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, le titre, on dit territoire païen, c'est-à-dire d'un non-juif Tyr et Sidon. Et nous avons dit ici, il y avait deux sortes de païens. Il y avait les païens, n'est-ce pas, qui étaient les peuples non-juifs qui sont venus habiter la Samarie après la déportation, n'est-ce pas, du roi Assyrie, des enfants d'Israël par le roi d'Assyrie, Sargon II. Et il a fait venir ces peuples d'ailleurs pour vivre en Samarie. Mais il y a, n'est-ce pas, l'autre, le frère de Béthune, qui est, n'est-ce pas, monsieur Élisée, qui a dit c'était tout Israël. Donc, une fois de plus, pour que vous voyez ceux qui vous représentent dans le christianisme. Et ils ne savent pas que les seuls qui n'ont pas été déportés pendant la période assyrienne, c'est n'est-ce pas l'Israël du Sud. Va lire tout Esaïe chapitre 7. Lorsque le fils de Ramalia au nord et Pekash au nord et le fils de n'est-ce pas le roi de la Syrie, ils ont fait la coalition pour attaquer le roi Akas, qui était un descendant de Roboam. Et ça, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas la lettre. Et là, maintenant, dans Esaïe chapitre 7, lisez tout le contexte. Ils n'ont jamais été déportés pendant la période, n'est-ce pas, assyrien. Mais c'est le roi babylonien, Nabucodonosor, qui les a déportés tous ensemble, le nord et le sud. Et là, ils ne connaissent pas. Tout Israël. Pourquoi? Parce que c'est, ils lisent la myopie spirituelle, hein, sans connaître l'histoire de la rédaction de la Bible. C'est une parenthèse. On ferme rapidement. De deux, maintenant, on revient toujours sur celui qui se proclame, n'est-ce pas, intellectuel. Il dit, s'il vous plaît. Les disciples étaient réunis, c'est Jésus. Je prends le même test. Parce que s'ils prennent le même test, on va rester dans le même chapitre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Mes chers frères, on va lire le même test qu'il a pris, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient à Jésus-Christ, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Pourquoi ils demandent encore à Jésus, alors que Jésus les a dit dans Matthieu 15, je n'ai été envoyé que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Eux voulaient savoir quand est-ce que Jésus va les réunir tous. Jésus dit ceci. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem ou au sud, dans la Judée ou au sud, dans la Samarie ou au nord. Parce qu'il avait commencé et où il a ouvert, n'est-ce pas, cette porte du salut à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4.
Je lisais Jean chapitre 4, verset 12. Et là, vous allez savoir que les Samaritains ici, la femme Samaritaine était juive. C'est pour ça qu'il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Mais pour eux, c'était les non-juifs qui appelaient Jacob son père. Et c'est comme ça les intellectuels. Donc ici, là, ouvrez cette partie-là à la Samarie. C'est pour ça qu'il dit, vous serez maintenant mes témoins dans cette partie-là. En Samarie, aux extrémités de la terre, dans la myopie spirituelle, quand le monsieur a vu, s'il vous plaît, je peux parler. Jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, on va vous montrer maintenant qui était aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 11. Et aujourd'hui, on va vous clouer avec les Écritures. Ésaïe chapitre 11, verset 10. Suivez, chers téléspectateurs, qui était aux extrémités de la terre. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire David, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois pour racheter le reste de son peuple d'Israël, dispersé en Assyrie. Dieu dit, je vais, n'est-ce pas, étendre ma main pour revenir mon peuple, dispersé où? En Assyrie, en Égypte. Mais ils ont dit, il n'y avait pas Israël qui était perdu. Mais l'autre a renchéri en disant, même s'ils étaient perdus, ils adoraient le Dieu unique et ils n'avaient pas oublié leur loi. Regardez l'ignorant sur le plateau. Le peuple dispersé en Égypte. Exemple, chers téléspectateurs, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. On dit Apollos était, n'est-ce pas, d'origine, n'est-ce pas, d'Alexandrie ou en Égypte. Quand on dit à Égypte, exemple Apollos dans Actes 18, verset 24. Et ils ne connaissent pas ça. Au lieu de venir apprendre, ils s'agitent. On continue. Dispersé où? En Égypte. Mon peuple d'Israël, dispersé à Patros, en Éthiopie. Ça vous rappelle qui? L'Union éthiopienne était, n'est-ce pas, était un non-juif. C'est M. Élisée qui a dit ça. Et qui l'avait baptisé, c'est Philippe. Donc si Philippe a baptisé l'Union éthiopienne, donc c'est pas la bouche de Philippe que les païens, les non-juifs ont compris l'évangile. Ah! Et c'est dû les pasteurs. Tout ça, c'est les pasteurs. Et il y a une masse ignorante qui les suit dans ça. On dit, Philippe, il lisait le livre d'Esaïe, il ne comprenait pas. Esaïe 53, il ne comprenait pas. Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Lis. C'est comme un musulman qui lit le Coran. L'imam dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, si quelqu'un ne m'explique pas, pourquoi? Parce que dans Michée chapitre 2, verset 7, Dieu avait dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on garde la loi. Tu peux lire, tu ne comprends rien. Et là, Philippe l'a expliqué maintenant. Et l'Esprit a demandé à Philippe de descendre avec lui pour le baptiser. Mais il dit, c'est dans l'Union éthiopien était, n'est-ce pas, un non-juif. Et Philippe l'a baptisé. Alors qu'il confond et demande même l'apôtre de Pierre dans Actes 15 au Concile de Jérusalem. Qui dit, c'est pas ma bouche pour la première fois que les païens ont entendu la parole de l'évangile. C'est païen pour vous. C'est les non-juifs. Non, c'est dans la bouche de Philippe qu'ils ont compris maintenant. Et ça va que l'Union éthiopienne, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, qui? Les juifs. On va vous démontrer dans Esaïe 56. Vous les maîtrisez. Je dis, ce débat-là, vous n'allez pas vous en sortir. On continue. On dit, à Elan, à Eman, à Shiner, et dans les îles de la mer. On dit, mon peuple dans les îles de la mer vont revenir. Dieu continue. Il élèvera une bannière pour les nations, et je rassemblerai les enfants d'Israël d'exil. C'est Dieu qui le dit. Et il recueillera tous les dispersés dans les quatre extrémités de la terre. Et là, quand il a vu extrémité de la terre, myopie spirituelle, hein, directement c'est les non-juifs. Directement c'est les non-juifs. Et je vais vous démontrer ici. Pour les juifs étaient dans les quatre extrémités de la terre. Je veux que ce débat continue. Parce qu'il avait dit, il a dit ici lorsque on a eu problème tenez ici, que même ces trois heures, on est là. Si vous allez supporter, si vous allez supporter ce débat, non, vous n'avez pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous allez demander, vous n'êtes pas le journaliste. Non, c'est vous n'êtes pas le journaliste. Merci. Le jour de la Pentecôte maintenant. Ça c'est acte 1. Acte 2 maintenant, le jour de la Pentecôte. Il lit une écriture et saute. Soit par malhonnêteté intellectuelle, soit par ignorance. Dans acte 2, regardez là où il a sauté. Il dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je vous en prie. Alors, je voulais dire à monsieur Omi qui veut appeler depuis la France. Vous me faites, c'est mieux, hein, monsieur Omi, de faire un voice au premier numéro. 658 93 52 15. Vous voulez participer, vous voulez appeler, et appelez le premier numéro, le 658 93 52 15. Si ça ne passe pas, vous nous laissez toujours un voice. Vous nous laissez un voice toujours à travers ce numéro. Alors vous pouvez continuer. Je continue, chers téléspectateurs, au verset 5, c'est ça qui nous importe. Regardez, il a lu la sauté vite. Dans acte 2, on dit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem les juifs hommes pieux de toutes les nations
qui sont sous ce ciel. C'est-à-dire, ici, ça corrobore. Mes chers frères, prenez ce test de Actes 2, verset 5, et vous comparez, n'est-ce pas, avec Ésaïe, chapitre 11, verset 13, où Dieu dit les exilés étant dans les quatre coins du monde. Et je vais le prouver comme dans Ésaïe 45. On dit, ils étaient tous, les Juifs, sous ce ciel. Ils étaient tous à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem pour faire quoi? Ils avaient oublié leur langue. Et dans le livre de 1 Maccabée, chapitre 1, verset 41, verset 48, on dit qu'ils avaient oublié leur langue parce que le roi avait imposé, le roi Antiochus Épiphane IV, pendant la période grecque, que les gens devaient adopter pour langue nationale le grec. Et là, c'est dans 1 Maccabée. Et ils ne connaissent pas ça. Et dans la Bible de Pasteur Élisée, il a retiré, n'est-ce pas, ce livre là-bas dedans. Et ici, il dit, Pasteur Élisée encore en chérie, il dit, Pasteur Élisée, il a retiré, s'il vous plaît. Le livre de Maccabée. Oui, c'est allumé. Oui, parce que Élisée dit. Non, il dit c'est sûr que le nid éthiopien était un non-juif. Il ne sait pas que les eunuques étaient, n'est-ce pas, ceux qui gardaient le sabbat. Or, les non-juifs ne gardent jamais le sabbat. C'est pour ça qu'il ne peut pas tenir le débat avec un juif. Une minute. Une minute. Ici, dans Ésaïe chapitre 56. Et puis, n'est-ce pas, on va damer le pion avec, n'est-ce pas, le monsieur intellectuel qui se dit intellectuel. Alors que même la langue française, n'est-ce pas, échappe. Ici, dans Ésaïe chapitre, n'est-ce pas, 56. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat. Heureux ceux qui gardent le sabbat pour ne point profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise point, je suis un arbre sec. Ainsi par l'Éternel aux eunuques qui garderont le sabbat. Les eunuques qui étaient en Éthiopie, qui garderont quoi? Le sabbat. Donc maintenant, il y avait les non-juifs qui gardaient le sabbat. Selon les intellectuels, hein? C'est toujours les intellectuels. Il a dit, vous n'allez pas vous en sortir de ce thème. Et je reviens maintenant sur lui. Il a dit, quiconque. Directement, quand il voit quiconque. Moi, j'ai dit que M. Bessine, là, M. Bessine, il pêche par analogie. Il dit qu'il voit quiconque ici, quiconque là-bas, c'est le quiconque qui est là-bas. Donc, pêche par analogie. Il pêche par analogie. Donc, quand il dit, dans le verset qu'il a pris ici en entente, je vais oublier Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand il voit quiconque, c'est l'humanité. Regarde, si vous voulez savoir ça, quiconque là, allez dans Nombre chapitre 21, verset 6. Vous allez comme Nombre chapitre 21, verset 6. Et peut-être je vais les donner parce que j'aime les écouter. Pour qu'ils versent encore l'ignorance, bien. Nombre chapitre 21, verset 6. L'Éternel envoya contre eux les serpents brûlants. Il mordit le peuple. Et mourut beaucoup. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il est loin de nous ce serpent. Moïse pria le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi le serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et regardera, n'est-ce pas, conservera la vie. Est-ce que les gens qui étaient mordus au désert avec Moïse, c'était l'humanité? Parce qu'il a vu quiconque. Il ne sait pas que quiconque c'est parmi les enfants d'Israël. C'est pour ça que avant le verset 14, avant d'arriver au verset 16, Jésus dit bien au verset 14. Il dit, ce que je vous dis là, de même que Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, le fils de l'homme sera élevé vivant. Avant de dire, quand Dieu a tant aimé le monde, il a pris cette même image avec l'image de Moïse avec le serpent brûlant dans le désert, dans Nombre chapitre 21, verset 6 à 7. Mais il pense que le quiconque, quand il voit quiconque, c'est l'humanité. Et il a pris monde. Il ne sait pas que monde, c'est un mot polysémique et non monosémique. Il dit tout le monde debout. Je vais demander à l'humanité de se lever. Quand il voit monde, myopie spirituelle. Quand il voit monde, c'est seulement c'est l'humanité. Je dis, ce débat-là, vous n'allez pas vous en sortir. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je pose, ça c'est la quatrième fois que je pose. Donnez, n'est-ce pas, une seule épître de Pierre, de Paul plutôt, qui l'a écrit à un non-juif, un non-israélite. Donnez-nous. Vous m'avez ici, oh, ma jeune truc. D'abord, tu as donné Romain. Je vais chuter par là. On va chuter par là. Romain chapitre 9. Il est écrit les livres de Romains au nom juif. Romains chapitre 9. Maintenant, je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Et ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Mes parents sont la chair. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption? N'est-ce pas qu'ils sont adoptés, non? Pourquoi les gens ne veulent pas réclamer les tests à ces pasteurs-ci?
Paul dit, c'est à Israël qu'appartient l'adoption. Parce que nous sommes dans le contexte d'adoption. C'est ça le thème. Le thème, c'est l'adoption. Vous entrez dans l'alliance de l'Éternel. Non, monsieur le journaliste. Notez adoption, s'il vous plaît. S'il ne peut pas donner une épître de Pierre, ou il est Paul plutôt, ou il est écrit un nom juif, dites-nous que Paul ment, que l'adoption appartient à Israël. Prouvez-nous que vous êtes dans l'adoption, non? Bien, ça, c'est le thème. L'adoption appartient à qui? Appartiendrait toujours aux juifs. Je voudrais d'abord revenir sur effectivement. Les propos que qu'a proféré le mon frère d'en face, M. Mokhtar. Je voudrais d'abord souligner que depuis mon début en venant sur ce plateau, je n'ai jamais fait aucune prétention. Je n'ai jamais prétendu que j'étais pasteur. Je me suis jamais autoproclamé intellectuel. Même si j'ai eu à faire des études, je laisse les gens découvrir mon intelligence, entre guillemets, par mes arguments. Et je ne fais pas dans les invectives personnelles. Nous sommes là pour éclairer le public, ceux qui nous écoutent. Et nous devons d'abord les respecter. Par respect pour eux, nous devons également nous respecter. Donc, c'est ce point-là que je voulais d'abord souligner. Ensuite, je vais dire que mon frère Mokhtar baigne toujours dans la confusion totale. Et cela relève du degré de son fanatisme, qui est d'ailleurs perceptible dans sa façon de parler, dans sa façon de crier, dans sa façon d'invectiver les gens. La citoyenneté civile doit toujours être distinguée de la religiosité culturelle d'un peuple. Les juifs, par nature, de manière profonde, qu'ils soient en Israël ou hors d'Israël, étaient des religieux profonds qui s'acquittaient à leurs devoirs culturels. Tout juif qui habitait hors d'Israël se rendait à Jérusalem, au temple, au moins 3 fois l'an. C'était une loi juive édictée par Moïse. Maintenant, M. Mokhtar fait comme si la diaspora c'est une spécificité juive. Tous les pays du monde ont une diaspora. Le Cameroun a une diaspora. La France a une diaspora. L'Égypte a une diaspora. Tous les peuples du monde ont une diaspora. Mais je voudrais continuer en lisant un autre texte, Éphésiens chapitre 2, pour ne pas revenir sur ce que j'avais déjà lu. Hein, parce que tout ce que j'avais lu, il semble ne pas comprendre. Tout à l'heure, il va prendre un texte de Moïse où il avait érigé le serpent des reins, où le mot quiconque est dit, sauf qu'il ne sait pas faire la part des choses entre le mot qui est prononcé dans un contexte et le même mot est prononcé dans un autre contexte. Dans le contexte de Moïse, il s'agit effectivement que des fils d'Israël, parce qu'on parle bien des fils d'Israël qui sont mordus par des serpents. Or, dans le contexte de Jean 3, on dit bien que Dieu a créé le monde. Donc le quiconque dans ce paragraphe, dans ce texte-là, ne concerne plus seul, n'obéit pas au même contexte que celui de Moïse. C'est du français simple quand même. Si on dit ici que... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salut à l'imam Mokhtar. Oui, le message il est adressé au pasteur. Je voudrais savoir à quel juif verset premier, un juif nommé Julius, originaire du pont. Depuis quand Israël se trouve au pont? Depuis quand les juifs s'appellent Julius? Parce que nous on sait... Chaque nom, selon la tradition hébraïque, chaque nom a une signification. Qui nous donne la signification du nom Julius? Le même chapitre, verset 24, un juif nommé Apollos, de ce roi originaire d'Alexandrie, là, il y a 2 000 différentes nations. Ce sont des juifs qui nous expliquent donc comment est-ce possible qu'Israël se trouve soit au peuple, soit à Alexandrie, et comment est-ce possible que les juifs s'appellent Julius ou Apollos, soit, et reconnaît que ces juifs-là étaient devenus des incirconcis des Grecs, ou alors, qui nous donne ces explications? Merci. Tout. Tout. Merci d'avoir participé. Les gens comprennent. Mais avant, prenez la peine de vous présenter. Ouais. Alors, vous pouvez également répondre directement. Pour répondre rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Pour répondre rapidement, j'avais déjà commencé ma réponse en distinguant justement la citoyenneté civile de l'identité religieuse culturelle. Le fait d'être né dans un territoire hors d'Israël peut effectivement te donner le nom de ce territoire. Mais ça n'enlève en rien ton identité religieuse culturelle. Et tout juif qui habitait hors d'Israël, qu'il soit né en Palestine, en Grèce ou à Rome, s'acquittait de ses devoirs culturels en Israël. Donc, cette question-là, on l'a déjà répondu.
on va pas revenir dessus. Donc, je continue. Donc, j'étais en train de vouloir prendre le texte avant que le texte n'intervienne. J'étais en train de vouloir prendre le texte de Éphésiens chapitre 2, à partir du 11e verset, où il est dit : c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, païens dans la chair. C'est quoi un païen dans la chair ? C'est celui qui n'est pas juif de naissance, qui n'est pas fils d'Israël de naissance. Appelé incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du 9e verset. Il a dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux uns aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu se ressusciter. Puis il leur dit : allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Merci. Alors je vais profiter, je vais vous lire quelques messages puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, je commence avec ce message qui nous vient de la France. Bonjour, grand merci de me prévenir. Oui, je vous ai prévenu. Je suis au boulot, mais je vais, Inch'Allah, regarder. Bon, salam et bonjour le plateau. J'ai deux questions à poser. Je veux savoir dans la Bible comment Paul a eu la révélation de Jésus. Jésus a dit dans un passage clair dans la Bible qu'il va envoyer Paul ou une prophétie que Paul viendra le monde entier. Alors, je ne sais pas si Jésus a dit dans un passage clair dans la Bible qu'il va envoyer Paul ou une prophétie que Paul viendra. Alors, oui, viendra pour le monde entier. Bon. Je veux la parole claire de Jésus, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Je salue monsieur le journaliste. Merci, c'est monsieur Omi depuis Paris. Alors, votre numéro, vous me l'avez demandé. Imam Mokhtar l'a presque déjà. Monsieur Giscard, mes salutations distinguées aux invités. Le fidèle nous perd le temps pour rien. Imam laisse aux auditeurs de débattre avec ce fidèle qui ne veut rien entendre. Fidèle, soyez sincère. Est-ce Paul était apôtre de Jésus ou Jésus lui a fait apôtre des douze? Sinon, comment se fait-il que Paul ne soit pas imposteur? Signé Abdourahman du Bénin, qui est actuellement à Kano. Fidèle, je ne sais pas, vous avez un petit mot à dire en quelques secondes par rapport à ce message. Monsieur Betting, hein? Bon, ça va, vous n'avez pas suivi. S'il te plaît, lis-moi Révélation 14, verset 6. Dis au pasteur de me dire, s'il te plaît. Alors, c'est un téléspectateur de la France qui demandait la lecture de ce passage-là, mais nous n'avons plus de temps. On a eu beaucoup d'interruptions. Salam et bonjour. Merci pour l'émission. Alors, je vais tout simplement. Nous sommes à. Oui, en quelques secondes. Nous sommes à la fin? Oui, nous sommes à la fin. Bon, je voulais lire deux textes, si vous me permettez. Non, on n'a plus le temps. Non, c'est court, c'est assez court. Bon, c'est assez court. Oui, c'est assez court. Donc, je lis le Galates 3, chapitre 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Merci. Et je, pardon, le dernier, s'il vous plaît, le dernier texte, c'est 1 Timothée. Pendant que vous cherchez. Oui, non, je l'ai trouvé. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. D'accord. Ouais. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il dit Jésus-Christ est un homme, en même temps il dit Jésus-Christ est Dieu. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regarde comment il parle, il se ça fera l'objet d'un autre débat. On doit continuer ce thème-ci. Bien sûr, ça fera l'objet d'un autre débat. Oui. Ça fera l'objet d'un autre débat. Jésus, Dieu ou pas Dieu. C'est ce qu'il propose. Merci, hein, vous avez demandé. Oui, je terminerai ici en disant que je réitère mes propos quand nous avons commencé ici. J'ai dit que être juif est une attitude. Donc, cette attitude consistait à quoi? Quand nous parlons d'être, je veux dire être païen, ça veut dire que celui qui ne se conformait pas aux réglementations ou à la loi juive était considéré comme un païen. Merci. Mon dernier mot, merci. Mon dernier mot, c'est pour. On va jamais terminer si on donne le dernier mot. Comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever et puis vous faire une accolade fraternelle. C'est l'embrassage. L'école va commencer pour tous ceux qui ont été la Bible, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est vraiment pour tout ce que tu m'as dit là. Moi, je suis pas avec toi. Excusez pour les mots. On a pris ça à cadeau. Il n'y a pas de problème. Okay. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons des excuses pour ces quelques interruptions indépendantes de notre volonté. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et bon week-end.